Le Seigneur n'a rien fait pour moi. Mais aujourd'hui, deux sont couchés à l'hôpital. Ils ont besoin de payer l'oxygène pour pouvoir respirer. Mais toi, tu lèves l'air que tu respires. Est-ce qu'à la fin du mois, on te donne une facture? Est-ce que la santé que tu as eu à marcher, tu as eu à te déplacer, même si tu n'as pas l'air de voir, mais au moins tu as eu à marcher. C'est que tu n'as pas les pieds. Qu'est-ce que tu as donné pour avoir les pieds? Mais quand tu dis, quand tu te concentres seulement que si l'argent, si le bien matériel, tu dis le Seigneur n'a rien fait pour toi, bien entendu, tu as fait citer le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. À commencer par le sou de vie qui le sait de renouveler en toi. Quand il a dit dans ta parole, la Bible de Lamentations, chapitre 3, verset 22, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a renouvelé encore ses bontés et ses compassions avec nous. C'est pourquoi ce matin, je dis en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous allons élever la voix pour lui dire merci. Et les gens vont nous accompagner. Amen.
Thank you.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me trompe. Je me trompe. Esprit. Esprit. Âme. Âme. Et corps. Et corps. Dans ton sang. Dans ton sang. Je me trompe. Je me trompe. Esprit. Esprit. Âme. Âme. Et corps. Et corps. Dans ton sang. Dans ton sang. Je me trompe. Je me trompe. Esprit. Esprit. Âme. Âme. Et corps. Et corps. Dans ton sang. Dans ton sang. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sobre o quatro frango, a la joue, a la joue.
méchant. Thank you.
Alors nous allons prier ce matin. Si nous sommes vraiment les fils d'Adam, nous sommes vraiment destinés au salut. Si nous sommes vraiment la prospérité d'Abraham, si le Seigneur Jésus a trouvé notre affaire, il a vraiment trouvé, nous avons trouvé vraiment trouvé grâce après auprès de lui. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il descend maintenant par son feu afin de consumer maintenant toute sémence que le poisson a laissé en nous. Toute sémence que l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, allait à déposer en nous. C'est pourquoi tu as prié ce matin. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Que tu es aussi fait de moi. Tu m'as trouvé digne. Tu m'as trouvé digne. Être délivré. De l'esprit. De Marie et lui. De Femme et lui. Maintenant. Sois confus que je ne sois pas confus.
du méchant. Mais c'est lui qui se confie à l'Éternel. À l'Éternel. Et environné de sa grâce. C'est pourquoi Seigneur Jésus, je prie à toi ce matin. Si le méchant, Seigneur, notre Dieu, la miséricorde, et le pardon, car,
Saint-Loi, Il avait mis devant nous, par ses serviteurs, un prophète, tout Israël, en train de cesser, ta loi, et s'est détourné, pour ne pas écouter, pour ne pas écouter ta voix, alors, je serai répandu, sur nous, des malédictions, et les implications, nous sommes écrites, à la loi de Moïse, saluer Dieu, parce que nous avons péché, notre Dieu, il a accompli, des paroles, il a fait, prononcées, contre nous, et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous, une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé, sous le ciel, entier, il semblable à celle qui est arrivée, à Jérusalem, comme cela est écrit, dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue, sur nous, et nous n'avons pas imploré, le Seigneur est notre Dieu, nous ne sommes pas détournés, de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs, à ta vérité, Je connais mes péchés, mes torts, ma faiblesse, je suis faible,
là, devant le péché, devant le péché, il a plus de péché au nom de Jésus. Il m'a utilisé, il m'a utilisé, il m'a utilisé ton église, pour qu'il y ait ton église, c'est pour toi, Seigneur, ce matin, je prie à toi, je prie à toi, pardonne-moi le péché, pardonne-moi le péché, pardonne-moi tes iniquités, pardonne-moi tes fautes, pardonne-moi tes transgressions, pardonne-moi tes fautes. Je vais pas.
Tout ce qui est écrit, mes scripts sortiront. Allez, par le sang de Jésus, mes amis. Matthieu 18, verset 19. On se tient debout. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Dis la parole. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore. Je vous dis encore. Que si deux d'entre vous s'accordent, sur la terre, vous demandez une chose, elle sera accordée, par mon Père qui est dans les cieux, Amen. Alléluia, amen. Si ça te parle bien, tu vas te retourner, tu vas aller mon voisin, que tu vas taper ses mains. Alléluia, amen. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu vas prier pour ton voisin, tu vas prier pour ta voisine. C'est qui veut que le Seigneur fasse pour lui-même, pour elle. Toi, tu vas prier pour elle. Allez, tout lui aussi prie pour toi. Alléluia. Amen. C'est l'harmonie, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alors, tu vas lui dire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et lui va prier pour toi. Lui aussi va te dire ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Et tu vas prier pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu vas élever la foi maintenant. Tu vas parler à ton voisin. Thank you.
Jean 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Lis la parole de Dieu, mon frère. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Jésus est en train de parler à ses disciples. Depuis que j'étais avec vous, vous n'avez rien demandé à mon nom. Malgré tout ce que je faisais, j'étais avec vous, les miracles que j'opérais. Je recevais les morts, je priais pour les aveugles, je priais pour les sourds, les boiteux. Mais vous ne m'avez rien demandé. Aujourd'hui, conscient de Dieu, demandez-moi et vous recevrez. Il n'a pas dit que tu vas recevoir après, il dit demandez-moi. Alléluia. Amen. Regardez ce passage, il y a un enseignement derrière ce passage. Les disciples n'ont pas regardé à la gloire. Ils ont suivi Jésus-Christ dans l'humilité et dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les gens qui étaient remplis de bénédiction qui cherchaient la bénédiction, non. Alléluia. Amen. Ils ont suivi le maître. Pourquoi le maître a dit, mais vous n'avez jamais rien dit. Aujourd'hui, il n'a pas donné, demandez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'a pas donné, demandez-moi. Quel est le sujet de prière qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'offre la nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans cette nouvelle année? Il dit, demande-moi. Il n'a pas demandé à ton papa, dis à ta maman, dis à ta tante, à mon oncle, moi mon oncle a l'argent. C'est pour ton oncle, c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est la vie de prière, la vie de consécration, le jeûne. C'est la méditation, c'est la santé. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors tu vas élever la voix de Dieu. Et tu vas crier à l'éternel. À la vie de quand le secours nous vient de l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier. Tu sais ce que ton cœur désire. Tu sais ce que le Seigneur fasse pour toi. C'est ce que tu veux pour la langue. C'est ce que tu veux pour interpréter les langues. C'est ce que tu veux demande ce que tu veux. C'est ce que tu veux pour la prière. Par la Jésus. Par la Dieu. Par la Jésus. Par la Jésus. J'ai venu de toi. Par la Jésus, selon sa parole. Tout ce que vous demandez dans mon nom. Demande au Seigneur Jésus. Il te l'accordera. Demande la paix. Il te donnera. Demande à Jésus. Avec la foi. Avec la foi. Il te donnera. Demande avec la foi. Demande Demande de tout ton cœur. Thank you.
Alors je déclare. La Bible de Josué, chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. Je vais lire la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. C'est que le Seigneur dit, qui te livre Jéricho? Jéricho, c'est qui? C'est tous les soucis. C'est tout ce qui est barrière. C'est tout ce qui est obstacle sur le chemin. Parce que tu peux aller à Canaan, tu peux aller dans la terre promise. Mais il y a une barrière qui se trouve sur le chemin, qui est appelée du nom de Jéricho. Il y a une barrière qui se trouve sur le chemin, qui est appelée du nom de la persécution. Il y a une barrière qui se trouve sur le chemin, qui est appelée du nom du chômage. Il y a une barrière qui se trouve sur le chemin, qui est appelée du nom du célibat. Il y a une barrière qui se trouve sur le chemin, qui est appelée du nom du péché. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, qui délivre Jéricho, son roi, ainsi que tous ses vaillants héros, ainsi que tous ses soldats qui sont avec lui. Au verset 20, qu'est-ce qui va se passer au verset 20? La Bible de Jésus, deuxième chapitre 6, au verset 20. Au verset 20, il lit la parole. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette et poussa des grands cris, la muraille s'écroula. La muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Amen. Amen. Dites au septième tour, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a crié. Le peuple n'a pas fait quelque chose, ils ont simplement crié. Et les murailles se sont écroulées. Les murailles se sont écroulées. À cette fin d'année, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Nous, les vrais chrétiens, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Quels sont les obstacles qui vont t'empêcher de rentrer dans la nouvelle année? Nous ne sommes pas dit qu'il ne sait pas à quelle manière nous sommes devant les calendriers de Dieu. Mais nous savons que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Mais dans cette année dans laquelle nous allons sortir, il y a encore quelque chose qui nous maintient en captivité. Il y a encore quelque chose qui nous maintient, qui va nous empêcher de rentrer dans la nouvelle année. Nous ne devons pas traverser, quitter cette année dans laquelle nous sommes pour rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes péchés, avec les mêmes comportements, avec les mêmes attitudes, avec le même comportement d'enfant. Mais nous devons grandir spirituellement. Nous devons commencer maintenant à aspirer à la nourriture spirituelle. Nous n'allons pas laisser éternellement au lait. Nous allons passer à l'autre bord. C'est pourquoi ce matin, avec qui le peuple a crié. Mais quel est le cri que le peuple a annoncé? Quel est le cri que le peuple a entonné? Quel est le cri que le peuple a entonné pour que les murailles puissent se briser de branler? La parole déclare. Donc on évoquera quoi? Le nom de l'Éternel en vain. Donc si nous l'appelons, il doit descendre à sa puissance et par son culte. C'est pourquoi maintenant nous allons entendre maintenant depuis les guerres. Afin que tout ce qui était caché en nous, que ce soit un comportement, que ce soit une attitude, que ce soit un démon, que ce soit une possession quelconque, par le saint prix de Jésus, que le Seigneur descende son feu maintenant. Que nous brisons toutes les chaînes de la malédiction, toutes les chaînes qui nous mettaient en captivité, toutes les chaînes de l'homme fort, tous les fondements de la famille, soient ébranlés maintenant comme le nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, à toi, nous allons commencer maintenant. 1, 2, on est la même autorité, on se prépare. On se prépare, on est la même autorité. On connaît tous les prix de guerre de Jésus-Christ. On connaît tous les prix de guerre. Je reviens, Jésus revient. Alors nous allons commencer maintenant. On y va. Je suis là. 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 Je suis là.
Posez-vous, je suis là. Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce que vous avez demandé? Il a rappelé le Seigneur. Il a fait la prière deux à deux. Le Seigneur est descendu maintenant. Je suis là. Sois disposé, il te visite à ce matin. Depuis qu'il y a, il nous touche. Depuis qu'il y a, il nous touche. Depuis qu'il y a, il nous touche. Il est descendu maintenant. Vous accordez maintenant tout ce que vous avez demandé. Vous accordez tout ce que vous avez demandé. Vous accordez tout ce que vous avez demandé. Il dit que depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas demandé. Maintenant, demandez après que vous recevez. Maintenant, demandez après que vous recevez. Maintenant, demandez après que vous recevez. Vous accordez maintenant. Vous accordez maintenant tout ce que vous avez demandé. Vous accordez maintenant. Vous recevez le Seigneur. Alléluia! Recevez le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de la parole. Amen. C'est pas facile.
Je viens encore. Il n'y a pas de chemin en fait. Alléluia. Amen. Accrochez-vous. La route est très longue. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Tu vas dire à Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment, de venir conduire ce moment, de venir remplir son serviteur qui va donner la parole ce matin, que lui-même vienne prendre la place de ce serviteur-là, et qu'au travers de ce serviteur, nous soyons bénis. Alléluia. Il est là-bas, il commence à parler à Dieu. À Dieu, prie, 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 prie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je remercie Dieu dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. On s'assoit dans l'amour du Seigneur Jésus. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je vis longtemps ma foi, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je vis longtemps ma foi, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je vis longtemps ma foi, I'm not going to be able to do that.
Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit dans l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es présent ce matin? Amen. À ton frère, est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre thème du message d'aujourd'hui, alléluia, est la Pâque. La Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque. La Pâque. Il y a longtemps, on est en train de se préparer. On a fait des uniformes. Amen, amen. Amen. Nous, la Pâque. Mais en réalité, la Pâque même, c'est quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Pâque, c'est quoi? Demande à ton frère, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu es en train de te préparer pour manger les repas de la Pâque, bien aimé, tu dois connaître aussi la Pâque même, c'est quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ok, la Pâque, c'est quoi? Il y a longtemps, nous fêtons cette fête, nous célébrons cette fête. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Pâque, c'est quoi? Amen, amen. Une personne qui a déjà mangé le jour de cette fête. Amen, amen. La Pâque, c'est quoi? Shalom, shalom. Shalom. Moi, la Pâque, c'est la fête en l'honneur de la délivrance du peuple d'Israël. La délivrance du peuple d'Israël. Donc, quand le chrétien aujourd'hui rencontre réellement le Seigneur Jésus-Christ, mm-hmm. c'est celui-là qui fête la Pâque. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Une autre personne aussi, elle dit la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Une autre personne aussi, la Pâque, c'est quoi? Alléluia. Amen. Chante. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est quitter un état. Quitter un état. À un autre état. À un autre état. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, il faut savoir aussi. Il y a la Pâque selon le monde. Amen, amen. Amen. Il y a la Pâque selon le monde. Cette Pâque, on écrit avec S. Amen. Cette Pâque, on écrit avec S. Lorsque cela arrive, alléluia, tu vas voir que le monde, ceux-mêmes qui ne connaissent pas Jésus, vont célébrer cette Pâque. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. D'autres prennent même ce jour. Sept jours comme une jour de prostitution. Amen. De boire de l'alcool. De faire ceci, de faire cela. Alléluia. Amen. Mais notre Pâque, c'est avec 100 S. Alléluia. C'est cette Pâque que nous allons parler ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean 2, 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous ne sommes pas dans le monde et nous ne ferons pas comme le monde font. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans la bergerie du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La Pâque, nous allons voir selon l'écriture dans la parole de Dieu. Alléluia. Pâque en hébreu, Pascha, Pessa. Alléluia. Qui signifie passer par-dessus, sortir, épargner, sauver. Délivré, libéré. Alléluia, je reprends. Pâque. En hébreu, Pascha ou Pessa. Du mot hébreu, Pascha ou Pessa veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Sortir, épargner, sauver, délivrer, libérer, sortir d'un état. Alléluia. Amen. Entrer dans un autre état. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir l'écriture selon Exode 12 à partir du verset 12-13. Exode 12 à partir du verset 12 à 13. Mm-hmm.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés. Du pays d'Égypte. Depuis les hommes. Jusqu'aux animaux. Et je resterai le jugement. Contre le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Sur la maison. Où vous serez. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Ils vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous allons prendre encore une autre écriture. Exode 12, 27. Quelqu'un d'autre prend Deutéronome 16, 1. Et Exode 3, 8. Exode 12, 27. 27. Je lis la parole de Dieu avec vous. Lis la parole. Vous répondrez. C'est le sacrifice de Pâques. En l'honneur de l'Éternel. Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Deutéronome 16, verset 1. Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alléluia. Amen. Exode 3, 8. Je suis descendu. Pour le délivrer. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Dans un pays. Bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux. Qui habitent. Les Cananéens. Les Hésiens. Les Amoréens. Les Phéréziens. Les Éviens. Les Jubiciens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons vu les différentes définitions de Pâques. C'est passé dessus. L'Éternel a fait sortir. Il a épargné les enfants d'Israël. Il a épargné les premiers-nés d'Israël. Il a sauvé son peuple. Il les a délivrés. L'Éternel est descendu les délivrer. L'Éternel les a libérés le jour de Pâques. Donc Pâques, c'est la délivrance. Amen. C'est la liberté. Amen. C'est le salut. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Car c'est au jour de Pâques que l'Éternel a épargné les enfants d'Israël. Mais il a frappé l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons voir que le peuple d'Israël était chargé, était fatigué, était opprimé. Ils étaient dans la servitude des Égyptiens. Ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient dans l'esclavage. Alléluia. Amen. Pour que Dieu devrait sauver, délivrer, libérer son peuple qui était opprimé. Dieu devrait faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu devrait descendre. Alléluia. Amen. Afin de la libérer. Car le peuple d'Israël était chargé, était opprimé, était fatigué. Ils étaient dans la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a vu les souffrances. Il a vu leur oppression. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu de ses enfants. C'est pour cela. Il est descendu pour la délivrer. Alléluia. Amen. De la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu délivre, pour qu'il rachète son peuple. Alléluia. Dieu devrait verser le sang. Amen. Amen. Pour qu'il délivre son peuple, pour qu'il rachète son peuple. Alléluia. Amen. Rachète leur âme.
racheter leur vie, racheter leur esprit, leur corps. Dieu devra verser aussi du sang. Alléluia. Amen. Nous allons voir Exode 12, 3, 7. Exode 12, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Exode chapitre 12, verset 3 à 5. Il n'y a pas de bâton. Donc, soyez attentifs. Exode 12, verset 3 à 5. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Et dites, le dixième jour de ce mois, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, si la maison est très peu nombreuse, vous mangez un agneau, vous mangez un agneau. On le prendra avec son plus proche voisin, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, selon le nombre de personnes. Vous compterez, vous compterez, vous cet agneau d'après ce que chacun vous cet agneau, ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut, sans défaut, mal, mal, âgé d'un an, âgé d'un an. Vous pourrez prendre, vous pourrez prendre un agneau, un agneau, ou un chevreau, ou un chevreau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse sauver son peuple, il devait verser le sang de l'agneau d'abord. Alléluia. Amen. Il devait verser le sang de l'agneau sur la linteau, sur la porte des enfants d'Israël. Comme une marque. Alléluia. Amen. Comme une marque. Il devait sacrifier Dieu. Un agneau mâle sans défaut. Alléluia. Amen. Cet agneau, c'est l'image des choses à venir. C'est l'agneau était l'image des choses à venir. Mais Dieu, avant qu'il fasse quelque chose, il passe par quelque chose pour montrer ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. En avance. C'est pour cela. Nous allons voir. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Pierre 1, verset 19-20, c'est agneau qui parlait de quelque chose que Dieu voulait montrer à son peuple qui est Israël. Alléluia. Amen. Pour les racheter, il devrait verser le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et Pierre, combien? 1 Pierre. 1 Pierre 1, 19, 20. 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans comme tâche, un agneau, comme je prends la parole, mais par le sang précieux de Christ, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, comme d'un agneau sans défaut, sans défaut et sans tâche, et sans tâche. Alléluia. Amen. Cet agneau parlait de Jésus. Alléluia. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyez en Dieu. Lequel l'a ressuscité des morts. Et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu avait parlé de ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Exode 13. Exode 13. Exode 13. Exode 13, verset 13. Exode 13, verset 13. Lui la parole de Dieu avec respect. La parole. Tu rachèteras avec un agneau. Tu rachèteras avec un agneau. Tout premier-né de l'âne. Tout premier-né. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier né de l'homme parmi tes fils. Tout premier né de l'homme parmi tes fils. Parmi tes fils. Amen. Alléluia. Nous allons voir
les premiers fils, alléluia, premier-né, nous allons voir premier-né selon la parole de Dieu. Premier-né, c'est des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Exode 4, verset 22. Exode 4. Exode 4. Exode 4. Verset 22. Verset 22. Non. Lise la parole de Dieu avec respect. Verset 22, 23. Tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Mon premier-né. Je te dis. Je te dis. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Voici, je ferai périr ton fils. Ton premier-né. Ton premier-né. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Israël, premier-né de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu sauve les premiers-nés. Alléluia. Amen. Il devait d'abord briser, tuer le premier-né des enfants des Égyptiens. Alléluia. Amen. Les premiers-nés de Pharaon. Bien-aimé, est-ce que tu as compris quelque chose dans ce passage? Pour que Dieu libère son peuple, qui est son premier-né, il devait briser d'abord. Il devait briser. Alléluia. Amen. Dieu devrait briser. Pour épargner son premier-né, il devrait briser, massacrer, sacrifier d'abord. Il devrait sacrifier les premiers-nés des enfants de Pharaon. Tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu devrait les sacrifier d'abord. Pour épargner. Alléluia. Amen. Pour épargner son premier-né qui est Israël. Ce n'est pas hasard que Dieu voulait faire cela. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons voir l'exemple. Dieu a fait aussi, il a donné cette image à Abraham. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils unique, ton premier-né, celui qui est né dans ta maison, ton premier-né, va me le donner. Alléluia. Amen. Dieu voulait montrer une image. Alléluia. Amen. À Abraham, ce que lui, il devrait faire. Alléluia. Amen. Nous allons voir cette image aussi avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu dit. Alléluia. Mais dans ce contexte, dans la nouvelle alliance, Dieu va changer tactique. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, pour que le peuple de Dieu soit libéré, Dieu devrait frapper tout premier-né. Alléluia. Amen. De l'ennemi. Mais dans la nouvelle alliance, pour que le peuple soit libéré, alléluia, pour que le peuple sorte de l'esclavage, Dieu lui-même, qui est innocent, qui est juste, lui-même devrait donner son premier nœud. Alléluia. Amen. Pour que le peuple soit libéré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3, 16, 17. On va lire ce passage rapidement. Jean 3, 16, 17. Jean 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le monde soit sauvé, Dieu devrait sacrifier son premier-né, son fils unique. Alléluia. Amen. Il devrait le briser. Il devrait le massacrer. Il devrait le tuer. Alléluia. Amen. Comme il a fait avec les enfants d'Égypte. Alléluia. Amen. Pour que les premiers-nés qui est l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'Église sorte du ténèbre. Pour que l'Église sorte. Alléluia. Dieu devrait sacrifier, massacrer son premier-né qui est Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela, pour sauver l'humanité, Dieu devrait faire un sacrifice. Alléluia. Amen. Il devrait faire un sacrifice. Il n'y a pas de salut sans sacrifice. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la liberté sans sacrifice. Pour que Dieu épargne l'autre, il devrait sacrifier quelque chose d'abord. Il devrait sacrifier l'autre. C'est pour cela que le Seigneur Dieu avait fait avec l'Égypte lorsque le peuple était dans l'esclavage. Pour que le peuple soit libéré. Pour que le peuple sorte, alléluia, amen, du ténèbre. Pour que le peuple sorte de la servitude. Alléluia. Amen. Dieu devrait faire un sacrifice. Il devrait verser le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, là, c'était la marque. C'était la marque. C'était la marque pour épargner. Alléluia. Amen. Les premiers-nés d'Israël. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas épargné les premiers-nés d'Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas cette marque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas ces maîtres ici, cette marque. Alléluia. Son sang précieux. Que l'humanité est sauvée. Alléluia. Amen. Comme il a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir Pâques aussi. Alléluia. Pâques, fête solennelle en l'honneur de l'Éternel. Célébré chaque premier mois de l'année. Au 14e jour. Au 14e jour du mois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nombre. Nombre 3 à 5. Et pardon. Nombre 9, 3 à 5. Nombre 9. Nombre 9. Nombre 9. Quelqu'un d'autre prend Josué. Josué 5, 10. Si on peut commenter, je vais. Nombre 9. Nombre 9. 3 à 5. Dis la parole de Dieu avec respect. Dis la parole. Vous la célébrerez. Vous la célébrerez. Au temps fixé. Au temps fixé. Le 14e jour de ce mois. Le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Les deux soirs. Vous célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque. Et ils célébraient la Pâque. Le 14e jour du premier mois. Le 14e jour du premier mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Dans le désert de Sinaï. Dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tout. Les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Josué 5. Josué 5, verset 10. Lise la parole de Dieu. Lise la parole. Josué chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque. Et ils célébraient la Pâque. Le 14e jour. Le 14e jour. Du mois. Du mois. Sur le soir. Sur le soir. Dans les plaines de Jéricho. Dans les plaines de Jéricho. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la Pâque, c'est une fête solennelle en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Que les enfants d'Israël célébraient chaque premier mois de l'année au 14e jour du mois. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la célébration aussi. Alléluia. Amen. De la nouvelle année. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la célébration de la nouvelle année. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une écriture. Exode 12, 1, 2. Et l'autre prend aussi Ézéchiel 45, 21. Exode 12. Exode 12.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Et dites. Le dixième jour de ce mois. Le dixième jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Merci Dieu. Merci Dieu. Ézéchiel 45. Ézéchiel 45, verset 21. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Le quatorzième jour. Le quatorzième jour. Du premier mois. Du premier mois. Vous aurez la Pâque. Vous aurez la Pâque. La fête. Durera 7 jours. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. On mangera des pains sans levain. Amen. La Pâque aussi, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la Pâque, c'est la célébration. Alléluia. Amen. De la nouvelle année. Alléluia. Amen. De la nouvelle année. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ils étaient dans les ténèbres. Ils devaient sortir pour venir à la lumière. C'est en cela que les ténèbres ont commencé avec eux. Alléluia. Amen. Tous les temps qu'ils ont fait, ils étaient dans la servitude. Ils étaient enchaînés par des chaînes dans les ténèbres de l'esclavage. Alléluia. Amen. Des pharaons. Alléluia. Amen. Donc ils étaient dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans les ténèbres. Selon la nouvelle alliance, ils étaient enchaînés dans l'ignorance. Ils étaient enchaînés dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient sous l'interdit. Alléluia. Amen. Mais Dieu devrait changer les choses. Il devrait recommencer les choses avec eux. C'est pour cela qu'ils devraient rentrer. Alléluia. Dans la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme la Pâque, c'est la nouvelle année. Alléluia. C'est avec la Pâque que Dieu a commencé des bonnes choses avec les enfants d'Israël. Donc, ils sont sortis d'un état et rentrés dans un autre état. Ils sont sortis des ténèbres. Ils sont rentrés maintenant dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus va faire avec son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça nous concerne aussi. La Pâque nous concerne. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas Jésus, tu étais dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu étais dans un autre monde. Tu étais dans une autre année. Alléluia. Amen. Mais tu devrais recommencer une nouvelle année avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est la Pâque. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc le premier mois de l'année, le premier mois de l'année que le Seigneur Jésus connaît, c'est le mois des épis. Alléluia. Amen. C'est le mois des épis. On appelle Nissan. Ça concerne le mois d'avril actuellement. Amen. Amen. Donc amen. Le mois d'avril, c'est le mois des épis ou Nissan. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier mois de l'année. Selon Dieu, non pas selon le monde, amen. Mais selon Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre d'Esther 3, à partir du verset 7. Esther 3, 7. Esther 3. Esther 3. Au premier mois qui est le mois de Nissan. La douzième année du mois a suivi le sort. J'ai le but. C'est-à-dire si le sort devant avant. Pour chaque jour et pour chaque mois.
jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adam. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alléluia. Amen. Selon Dieu, ça concerne, alléluia, le mois d'avril actuel. Donc, notre premier mois, c'est le mois d'avril. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas voir que pendant ces mois-là, Jésus-Christ va faire quelque chose. Il va se glisser, alléluia, amen, au jour, alléluia, de la nouvelle année, pour délivrer le peuple qui était même dans les ténèbres, amen, qu'on ne voyait même pas, alléluia, amen, ce peuple, on ne voyait même pas, alléluia, amen. Mais le Seigneur Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, alléluia, amen, comme il avait commencé avec les enfants d'Israël, il va faire les mêmes choses avec l'humanité. Alléluia. Amen. Pour faire sortir l'humanité des ténèbres. Alléluia. Amen. Pour nous faire rentrer dans une nouvelle année. Amen. Qui est la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui doit manger la Pâque? Parce que la Pâque aussi, on doit manger. On doit célébrer. Qui doit célébrer? Ou qui doit manger la Pâque? Alléluia. Amen. Qui doit manger la Pâque? Une personne qui doit manger ou célébrer la Pâque? Qui doit célébrer ou manger la Pâque? Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui doit célébrer la Pâque ou qui doit manger la Pâque? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Nous allons prendre une écriture. Exode 12, 47, 38. Exode 12. Exode chapitre 12. Verset 45-48. Toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël. Fera la Pâque. Fera la Pâque. Si un étranger. Si un étranger. En séjour chez toi. En séjour chez toi. Veut faire la Pâque de l'Éternel. Veut faire la Pâque de l'Éternel. Tout le mal. Tout le mal. De sa maison devra être circoncis. Tout le mal de sa maison. Devra être circoncis. Devra être circoncis. Alors. Alors. Il s'approchera pour la faire. Alors il s'approchera pour la faire. Pour la faire. Et il sera comme indigène. Et il sera comme indigène. Mais. Aucun ne circoncis. Aucun incirconcis. N'en mangera. N'en mangera. Amen. Alléluia. Donc c'est les enfants d'Israël qui doivent célébrer ou manger la Pâque. Alléluia. Amen. Un incirconcis ne doit pas célébrer. Ni manger la Pâque. Un incirconcis. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un, une personne qui ne se conforme pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui vit dans les débauches, qui vit dans les ténèbres. Il ne devrait pas fêter. Cette personne ne doit pas fêter la Pâque, car la Pâque, c'est sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui font partie des enfants d'Israël. Ceux qui se conforment selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est même qui a accepté Jésus véritablement. Alléluia. Amen. Comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Amen. En abandonnant ses péchés. Alléluia. Amen. Car le repas de la Pâque est sacré. Alléluia. Amen. Un incirconcis, un pécheur ne doit pas manger cet repas ou célébrer cette fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir que Jésus lui-même, lorsque il était sur la terre à célébrer, à fêter cette fête avec ses disciples. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces passages et nous allons nous arrêter là. Alléluia pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Luc 27, 11. Selon les circonstances, voilà, nous allons lire ces passages. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Luc 22. Luc 22. Verset 11. Verset 11. 7, 11. 7, 11.
Luc 22, 7 à 11. 7 à 11. Lise la parole de Dieu avec respect. Le jour des pains sans levain. Le jour des pains sans levain. Où l'on devait immoler la Pâque arriva. Où l'on devrait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Et Jésus envoya Pierre et Jean. En disant. En disant. Allez nous préparer la Pâque. Allez nous préparer la Pâque. Afin que nous la mangions. Afin que nous la mangions. Il lui dit. Où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous la préparions? Il a répondu. Voici. Voici. Quand vous serez entré dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous avons vu dans ce passage, Jésus lui-même a fêté la Pâque avec ses disciples. Alléluia. Amen. Donc les disciples du Seigneur Jésus, ce sont ceux qui se conforment selon la parole de Dieu, qui gardent les commandements du Seigneur Jésus, qui marchent selon sa parole, qui marche selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde ne doit pas fêter la Pâque. Alléluia. Oui. La Pâque de l'Éternel, la Pâque de Jésus. Le monde ne doit pas célébrer cela. Seuls les chrétiens, alléluia, les disciples, alléluia, du Seigneur Jésus. Amen. Ils devraient fêter, célébrer cette Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Il n'a pas fini l'enseignement, mais comment nous presser? Il y a des gens qui veulent nous occuper la salle, dépendre de nous, voler les biches pour les amener de même. Comme on a encore en fait comment? Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Voilà donc le budget de sauter. Voilà. Donc tu vas parler de l'offrande. C'est bien comme ça. Là, Dieu va toucher ton cœur. Là, tu veux ça en l'air. Là, vous parlez de l'offrande. Action de grâce. Tout le long de ce mois, c'est de la parole de la Pâque. C'est de la parole de la Pâque. Et l'ordre qui est venu de la pause. Donc, tout le long de deux semaines qui restent là, on va parler de la Pâque. Jusqu'à aller à Bassan, parler encore de la Pâque. Alléluia. Donc, dimanche après, nous allons enseigner encore sur la Pâque. Gloire à Jésus. Tu vas parler pour le fond. Tatif, on a son de grâce. Faites un peu vite pour moi, on va nous chasser dans la salle. Commencez à faire un petit homme, petit peu de vie. Alors, c'est avant, c'est avant. Tatif, c'est pas moi de chanter. C'est pas le moment de chanter, chanson, la vraie chanson. I'm going to go to the hospital.
Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te célèbre, je te magnifie, je te glorifie en ce jour, je te dis merci pour tout ce que tu as fait, éternel de gloire. Je dis dans ta parole, il n'est pas bon de venir dans ma présence, les mains vides. Seigneur, tes enfants ont apporté. Nous l'avons apporté, éternel de gloire. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes de chacun de nous. Souviens-toi de l'offrande de chacun de nous. Souviens-toi de la dîme de chacun de nous. Souviens-toi des paroles qui ont été adressées en ce jour, Père éternel de gloire, c'est une offrande aussi. Je prie, éternel de gloire, que tu renverses, que tu tiennes tout plan, tout projet machiavélique du voleur. Tu détournes tout projet, tout plan du développement des finances et que tu les arraches. Et que tu les détournes de nos finances au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu ouvres les portes qui étaient fermées. Pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore du travail. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer avec nos biens, avec nos finances, Seigneur. C'est pourquoi il faut que tu ouvres les portes du travail pour celle-même, pour celui qui ne travaille pas. Seigneur, souviens-toi de celui qui avait une affaire. Et aujourd'hui, ça t'apporte, aujourd'hui, ça coince. Seigneur, ce matin, par ma foi, éternel de gloire. Décrète la situation, mais que cette affaire voit le jour au nom de Jésus. Éternel, je te prie encore que tu as fait une offrande encore ce matin par rapport à quelque chose qui t'a demandé. Je te prie d'agréer cette offrande et de donner le droit. Oh, tu es Dieu. Nous voulons encore te dire merci parce que, Père, éternel, de voir tout ce qui a été dit en ce lieu, tout ce qui a été fait comme semence offrande, Seigneur, tu l'agrées. Je te loue, je te célèbre, je te magnifie. Que le Père te dit Amen. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Jésus.
va t'apporter quand il annonce ça. Voilà. Avec la semaine prochaine, nous serons rentrés dans le mois de la Pâque. Alléluia. Amen. Nous serons rentrés dans le mois de la Pâque. Et le 10, nous avons un moment de jeûne à 7. Une semaine. À plus rentrer. Il y a des assez dans ma vie. Ça, c'est une grosse encore. Mais le fruit là, ça peut dépasser. Hein. Ça peut passer. Le fruit là, ça dépasse trop. Voilà, deux, voilà, la Thomas. Là, je peux quand même pas dire ça. Hein? Alléluia. Amen. Donc, une semaine à plus. Du 10 au 16, on vient en jeûne ce dimanche-là à l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. De la même façon que sont sortis à vos bien sa nourriture. Chacun vient sa nourriture. Mais le taureau sera mangé. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il y a un convoi aussi, c'est ça, non? Oui, oui, il y a un convoi. Voilà. La nuit, c'est bien là. Il y a un pain. Tous ceux qui n'ont pas compris le pain aussi, faites sortir votre argent. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans une nouvelle année. Nous rentrons dans une nouvelle année, pardonnez. Réconciliez-vous même avec vous-même. D'abord. Alléluia. Amen. Amen. Réconciliez-vous avec vous-même d'abord. Laissez tomber vos égaux. Alléluia. Amen. Laissez tomber mon moi. Alléluia. Amen. Faites la paix avec vous-même. Alléluia. Amen. Ça sera le Christ qui nous appelle. Alléluia. Mesdames, tu peux parler là. Tu peux faire tout ce que tu veux. Prier pendant des heures. Si l'amour de prochain n'est pas en toi, c'est zéro. Le ciel sera fermé. Alléluia. Amen. Faut t'habiller, faut pas en voir tes orgueils. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, le ciel sera fermé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Amen. Tu ne manifestes pas l'amour auprès de toi, ça sera zéro. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es ici, il faut te sentir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut te sentir dans l'œuvre de Dieu. Il faut te prêter dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible appelle la piété. C'est ce que la Bible appelle la piété. Alléluia. Amen. Se donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois ton frère qui fait mal, il faut l'approcher. Plus tu fais mal. Alléluia. Amen. Tu vois ton frère qui fait bien, fais le peuple plus tu fais bien. Il faut persévérer. Arrêtez de dénigrer les autres. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de jurer les autres. Arrêtez de vous croire supérieur aux autres. Parce que personne ne connaît la vie de personne ne connaît. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être te dire que tu peux sauver quelque chose. Mais au fini, celui qui peut te donner la terre, je pense, c'est Jésus-Christ. Est-ce que celui qui te parle, c'est vraiment Dieu qui te parle? Comment est-ce que la sainteté, c'est Dieu qui te parle? Question. Comment est-ce que tu peux déclarer c'est Dieu qui te parle? Parce que la Bible dit que l'ange de lumière se déguise aussi. L'ange, on l'appelle l'ange de lumière, Lucifer. Il prend le corps d'un ange, il va venir te parler. Alléluia. Amen. Mais tu vas penser que c'est Dieu qui t'a fait. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. Soyons humbles. Soyons humbles. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a fait la grâce de pouvoir décortiquer quelque chose, c'est pas pour toi, mais au profit des autres. Ensemble, on va avancer. Gloire à Jésus. Amen. Mais on ne se moque pas de son frère qui est en train de tomber. On ne se moque pas de son frère qui est en train de boiter. Il faut l'aider. On ne se moque pas de celui qui est en train de se noyer. Alléluia. Amen. La Bible pourrait dire hypocrite. Oh, d'abord, la paille que tout dans son langage avant de dire à ton frère qui a une saleté dans ses yeux. Lisons la parole de Dieu. Avant de se laisser emporter par des vents de division, de séparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai conjuré de venir à votre premier amour, c'est Jésus. Parce que le comportement qu'on est en train d'adopter maintenant va briser ce mouvement. Je vous le dis la vérité. Va briser ce mouvement. Ne pas s'arrêter ici, puis dit ce qui est en train de se passer. Mais je veux que chacun de vous prie. Priez. Alléluia. Amen. Priez. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a
Aujourd'hui, Israël regrette qu'il ne veut pas Jésus qui se revienne. Il n'aura pas le temps de fumer. Mais ils vont passer par la tribulation. C'est déjà scellé, c'est déjà fait. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Et toi, tu vas négliger cette chose-là. Alléluia. Amen. Tu vas prendre cette chose-là comme une lumière, la saleté, de la boue. Donc, c'est une bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Mais tu as préféré écouter les gens dehors. Et ça fait que tu gardes ta bénédiction. Alléluia. Le Seigneur peut te connecter à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il est fou. Ce n'est pas parce qu'il est grand de taille. Ce n'est pas parce qu'il est joli. Bien, il ne travaille pas, bien, il travaille. Non. Mais regarde la connexion que le Seigneur fait. Et puis, la voix que tu dois entendre, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui doit te dire. Mais évitons d'écouter un peu les gens. La Bible va dire, ne vous confiez pas aux hommes. Mais à... Si Dieu parle à ton frère, bien parle à ta soeur, c'est qui peut te parler. Vérité. C'est simple, bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu lui parle? Je me mets à sa disposition aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ma soeur vient avec une vérité, et que moi je viens avec une autre vérité, il y a quelque chose qui va nous séparer. C'est la parole de Dieu. Si ce qu'elle dit là, si c'est conforme à la parole de Dieu, je m'appuie. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dirais que c'est pour moi qui est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on se réveille à nouveau. Je veux qu'on se réveille à nouveau. Réveillez-vous. Parce que pendant qu'on fait le but, il y a des petits buts qu'on fait à côté. Là. Évitez ça. Évitez ça. Je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Et puis j'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Avant de parler, je réfléchis d'abord. Pour l'instant, je suis en train d'avertir. Parce que quand je vais commencer à parler, on ne pourra pas me taper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va faire la prière de paix. Frère Paul, viens devant ici. Viens conduire la prière. Alléluia. Amen. Tu vas te disposer, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir pour la prière finale. Père éternel, je te dis merci. Seigneur, je te rends toute la gloire, toute la magnificence, parce que c'est toi qui as permis ce moment, cette rencontre. Seigneur, tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Père éternel, voici tes enfants. Ont quitté leur domicile respectif et se sont rendus ici, Seigneur, pour te rendre un culte de louange, d'adoration, Seigneur. Et il est l'heure de partir, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner, de les raccompagner, Père éternel. Ta parole déclare dans le livre de Psaume, chapitre 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée maintenant et à jamais. Père éternel, je te prie de sécuriser le départ et l'arrivée de tout un chacun. Pour tous ceux qui vont emprunter des véhicules et pour tous ceux aussi qui vont marcher, Père éternel, que tu sois au devant et que tu sois au derrière, Seigneur, afin de les ramener sains et saufs, Père éternel, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, de leur couvrir, Seigneur. Et la semaine que nous allons aborder, Père éternel, nous savons que l'ennemi n'est jamais content, Père, lorsque tes enfants se retrouvent pour prier, Seigneur. Et certainement, il va se lever. Mais Père éternel, nous savons que nous avons le meilleur protecteur. Nous avons la meilleure protection. C'est pour cela, Père éternel, je te prie de garder tes enfants durant toute cette semaine, de garder leur famille, de garder leur maison, eux, Père éternel. Accorde la santé aux uns et aux autres, Seigneur. Et donne-nous, Père éternel, de nous retrouver le dimanche prochain. Avec la joie, avec la paix, avec la santé, et vous venez encore te célébrer des témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Amen.